2016, c'était une année noire ici et dans le monde, partout. Et c'est important de rappeler que la culture a vraiment sa place aujourd'hui, parce que pour se défendre contre tous les obscurantismes, qu'ils soient politiques ou religieux. Et c'est vrai qu'un enfant, un exemple concret, c'est quand un enfant il dessine une fourmi géante, comme vous pouvez voir là-haut, il nous communique la vie. Et peut-être qu'un jour, il sera moins tenté d'écouter ceux qui lui disent que penser de la vie, que en faire. Et voilà, donc c'est rien et c'est pas mal quand même. On fait beaucoup de choses avec rien. Donc on est parti d'une feuille blanche ou d'une feuille noire qu'on a découpée en ligne, toute simple. Et ça donne des structures qui naissent petit à petit avec des pliages et des ombres et de lumière qui se mettent en valeur les uns et les autres. Pour moi, c'est vraiment important que mes élèves osent essayer différentes choses, qu'ils ne soient pas coincés en fait par l'objet final. Souvent, en fait, on a une idée de ce qui est beau, ce qui devrait être beau, et on n'ose pas essayer en fait. On a peur, et moi, ce que j'ai envie, c'est que mes élèves se lâchent et aillent vers leur créativité. Voilà.